Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre, on y va pour le sommaire. Un bateau de pêche illégal intercepté au large d'Agalega, son équipage 9 hommes, probablement un mineur parmi, ils sont tous des Iraniens et ont tenté de prendre la fuite à l'approche du patrouilleur Barracuda. Pour la police, ils ont dû balancer des produits de contrebande par-dessus bord. Le travailleur social Ali Lazer est d'avis que c'est un réseau de drogue bien rodé qui vient livrer ses produits sur nos côtes. Elle est lavée de tout soupçon. Après 2 mois, la Nigériane arrêtée avec de l'encens dans ses bagages doit son salut au Forensic Science Laboratory. Les produits saisis n'étaient pas de la méthamphétamine, comme pensait la police, a conclu l'expertise. Aussi à la une ce vendredi, la date butoir pour la dose de rappel obligatoire repoussée au 19 février. Annonce du ministre de la Santé Kailesh Jagatpal cet après-midi. Le vaccin Pfizer, bientôt disponible en première dose pour ceux âgés de 40 ans et plus. Et les adolescents devront eux aussi se soumettre à l'injection d'une dose de rappel. Et puis, l'héritage tamoul à l'honneur au Blue Penny Museum jusqu'au 29 janvier. Peintures, photos d'époque et instruments de musique qui seront exposés pour raconter l'histoire et l'empreinte de la communauté. Nous démarrons cette édition avec ce bateau illégal sans pavillon intercepté par le patrouilleur Barracuda au large d'Agalega. Cette embarcation a été signalée aux autorités maritimes lundi dernier. Une dizaine de personnes étaient à son bord, tous des hommes d'origine iranienne. Le bateau est arrivé au port ce matin où les passagers ont été soumis à un examen sanitaire et l'embarcation a une fouille pour rechercher des objets illicites. Des téléphones satellitaires et des équipements sophistiqués pour la communication maritime ont été découverts. À la police, ils ont indiqué qu'ils se sont aventurés dans les eaux mauriciennes pour chercher un deuxième bateau qui aurait disparu en mer. Les autorités maritimes restent sur leur garde et soupçonnent une affaire de contrebande. Le point avec Shivani Venkatachelam Chinnaman. C'est une opération qui a démarré le 10 janvier dernier. Le CGS Barracuda était de sortie pour une patrouille en haute mer. Sur son chemin de retour, les officiers ont remarqué un bateau suspect naviguant dans nos eaux. Le bateau de pêche n'avait aucun nom ni pavillon. À l'approche du Barracuda, le bateau a essayé de prendre la fuite, mais le bateau suspect a été intercepté par le CGS Barracuda. 9 personnes, parmi un adolescent de 15 ans, se trouvaient à bord sans aucune pièce d'identité. Ces hommes ont affirmé dans un premier temps qu'ils sont du Pakistan. Par la suite, ils se sont rétractés et ont affirmé qu'ils viennent de l'Iran et qu'ils ont pris la mer il y a 20 jours. Ils ont également affirmé qu'ils étaient à la recherche d'un autre bateau. Les officiers soupçonnent que le bateau transportait des produits de contrebande. Si aucun produit illicite n'a été découvert à bord, en revanche, des équipements sophistiqués pour les liaisons maritimes et un téléphone satellitaire ont été saisis. La Coast Guard Act stipule que le CGS Barracuda doit emmener le bateau dans la rade de Port-Louis pour qu'une enquête approfondie soit initiée, surtout pour connaître le motif de leur trajet. À l'arrivée du bateau au quai A, un officier de la santé est monté à bord pour effectuer un test PCR sur ces Iraniens. Les résultats sont attendus dans les prochaines heures. Le travailleur social Ali Lazer a de nombreuses reprises tiré la sonnette d'alarme sur le trafic de drogue dans le pays et un réseau outre-mer qui alimente le marché local. Il n'est pas resté insensible après la découverte de ce bateau par les autorités maritimes. Pour lui, il est clair que le colis de drogue aurait été balancé par-dessus bord. Celui qui avait déjà déposé devant la commission Lam Changlin lance un appel pour que les autorités maritimes augmentent leur effectif de surveillance pour traquer ces trafiquants. Et là, on a une idée, ça qui passe sur ce bateau-là. Il est extrêmement dangereux, ça. Vous comprenez? Il vient dans nos délots territoriales, près de Saint-Brando, sans aucun pavillon, sans aucun nom, sans aucune indication, aucun, d'après mon information, aucun marin, n'a aucune pièce d'identité. Mais demain, il y a un bateau qui rentre et vient prendre nos pays. Vous comprenez? Il attaque nos pays qui ne nous connaissent pas. Par rapport à ça, nous ne sommes pas con. Nous, man Mauricien, nous pas man con, nous. Prends ça quand tu es riche là, pas connaît ça. La drogue là saute dans l'Asie, d'après mon indication. L'invini, seulement quand il y a un bateau là, pénal, pas besoin de monter le montant pour connaître que la drogue là finit d'été. Vous comprenez, il finit d'été avant qu'il cause garde à coûter.
Nous ne pouvons pas pour prendre un risque ici pour venir des jardins compagnons dans Maurice. Véritable calvaire d'une Nigériane de 28 ans qui a été arrêtée à tort après que les douaniers ont confondu de l'encens à de la méthamphétamine. Son colis a été intercepté par les officiers de la anti-narcotique et de la MRE en novembre 2021. Le rapport du FSL, qui est tombé hier, révèle que le colis ne contenait aucun produit illicite. Il s'agissait en fait de l'encens, comme l'avait mentionné la Nigériane lors de son arrestation. Celle-ci avait passé presque qu'une journée en détention avant d'être autorisée à partir. Le couple Persan obtient 1,5 million de roupies de dommages pour négligence médicale après la mort de leur nouveau-né en 2015. C'était en Cour suprême hier. Il s'agit d'un arrangement à l'amiable avec l'État et le ministère de la Santé. Le couple Persan avait invoqué dans sa plainte une négligence médicale de l'hôpital de Flac en raison d'un manque d'équipement à l'époque. Nous attendons 6 ans à attendre. Hein? Tu préfères mes enfants. Tu préfères mes enfants avec moi. Hein? La première année, nous disons aujourd'hui. Madame, peut extra souffrir. Hein? Madame peut extra pour l'heureux, car caméra l'heureux, peut souffrir. Puis pour l'heureux, tu peux devenir la roue, pour l'heureux. Et comme ça, nous avons accepté. C'était une finale, une malienne arrivée. Et je souhaitais qu'il le dîme paraît pas un problème. Je vous le dis en titre, le gouvernement a prolongé jusqu'au 19 février la date butoir pour l'administration de la booster dose contre la COVID-19 pour être considérée fully vaccinated. Une annonce faite par le ministre Kailesh Jagatpal face à la presse cet après-midi. Passé la date du 19 février, aucune exception ne sera faite aux Mauriciens qui refusent la dose de rappel. Ils n'auront pas accès à plusieurs lieux où le pass sanitaire sera désormais obligatoire. Par ailleurs, le gouvernement mettra aussi le vaccin américain Pfizer à la disposition des Mauriciens de 40 ans et plus et qui n'ont pas encore reçu leur première dose de vaccin. Et à partir de lundi, les Mauriciens pourront se rendre dans les cliniques privées pour se faire vacciner. D'après le règlement qui nous tient, veut dire quand on présente au code vaccinal qui nous redéfinit le statut fully vaccinated, ce que tu peux appliquer à partir du 15 janvier, nous finissons gouvernement avec le approval de cabinet, nous finissons étendu et à partir maintenant, exceptionnellement, veut dire cette fois-ci, nous finissons pousse sa date-là devant et il peut appliquer à partir du 19 février. Et ce rassemblement de soutien à une employée d'hôtel devant l'Assemblée nationale ce matin, Wendy Omé s'oppose à la vaccination obligatoire contre la COVID-19 pour accéder à son lieu de travail. Cette dernière évoque des raisons religieuses et affirme qu'elle subit des pressions de son employeur pour se faire vacciner. Moi, c'est mes croyances religieuses, donc je n'ai pas senti moi capable de mettre une petite chose qui... Pas de prendre le temps de ne pas connaître comment ça peut être dans le long terme. Pas de prendre le temps pour observer. Nous nous mettons directement, nous nous disons soi-disant la situation est urgente, besoin vacciner, etc. Donc, je ne suis pas d'accord pour mettre vaccin chaque 6 mois et tout. Ce n'est pas une affaire une seule fois. Et en plus de ça, avec une consent form qui peut causer la mort, handicap et blessure, je ne suis pas qu'à signer n'importe quoi. C'est une grande affaire, c'est la signature qui m'a fait imposer. Face à la hausse exponentielle des prix de plusieurs produits alimentaires, les consommateurs sont unanimes. Le coût de la vie est exorbitant. Nous vous annoncions hier une augmentation de prix de plusieurs catégories de produits de marque spécifiques. Une hausse qui ne fait que s'ajouter à une longue liste. Alors que les associations de protection des consommateurs tirent la sonnette d'alarme et mettent en cause la dépréciation de la roupie, les consommateurs qui paient le prix fort sont eux aussi remontés. Témoignages recueillis par Nechen Pilé. Qui peut faire les ou obligé à la cette commission, hein, ou pour besoin, ou ban nécessité, besoin dire. Mais même prix la montée, mais là où besoin que m'a déjà cassé à ranger, était comment pour faire, manque ce que tu as permis tout, ou besoin éviter parce que dit, essayer d'éviter manque ce qui en promotion, hein, manque ce qui que tout pas chab chab c'est tel. Vous êtes prévus, vous êtes
pour capable matière ici j'en ai debout. Hein. Donc, et qui va me produire une matière par exemple qui me trouvait une plus chère hein? Me trouver côté ben, une boîte de conserve, du riz, de l'huile, ben ça fait qui est potent, hein, qui nous servit. Ouais, l'essentiel. Me trouver une bien montée. Mais plus cher. Longtemps quand c'est comme une chose je peux faire plus loin, ça c'est pas capable. Fais bien soit je reste. Fais bien que tu prises. Tu veux nous ressembler à manger plus du vent. Tout produit une montée, tout. Tout produit. Ça allait vers c'est pareil. Nous vendons des gens qui nous voient travailler dans le gouvernement, non, nous vous êtes traversés, vous mangez. Et dans le ici, vous pleurez. Tout qui se une montée, tout qui se. Quand on dit que c'est pour les frais, il y a une montée. Poisson, la belle mouton aussi pour ne pas avancer, trouver une trousseur. Donc, c'est une chère. Oui, beaucoup. Il y a des enfants obligés. Pas facile, bien difficile. Bon prix extra, exorbitant. Je ne monte prix là extra. De mon pas travail, mon pensionnaire. Mais il n'est pas facile. Besoin réduire un peu ce qu'il a à prendre. Hein. On ne peut pas prendre une tâche à faire. Mais au fait, là, aujourd'hui, je te baisse du lait, je pars à une roupie. Et après, semaine prochaine, j'aurai monté, mais pas vaut la peine qu'ils baissent quelque chose. Soit je ne baisse du tout, soit je augmente tout. Il est exorbitant. Et parfois, il m'a pris qui est une superstie avant. Nous avons un check prix. Prix là, comment dire. Nous trouvons qu'il y a une différence. Puis parfois, quand on finit de faire du shopping, il descend à 300 ou plus. Et coup, la vie est extrêmement montée, bien cher. Nous ne pouvons pas dire que ça a baissé, l'autre a baissé, parce que tout l'article, la majorité de l'article est montée. Et nous faisons faire un achat bien intelligent. Je vous retrouve après cette page publicitaire. Maison des matelas propose une découverte, ce tout nouveau matelas, le Royal Suprême. Un matelas de qualité supérieure, avec une garantie allant jusqu'à 15 ans. En plus, pour un meilleur sommeil, lors sa gamme matelas là au Pégain, deux Egg Pillow pour le bon alignement des colonnes vertébrales. Matelas disponible uniquement dans nos factory shops Maison des matelas. Pour lui, Vénus, Triolet Côte Ancien Télécom, Pamplemousse vis-à-vis CB, La Caverne Vaqua et Curpip à côté de l'église Sainte-Hélène. Livraison gratuite à travers toute l'île. Numéro d'appel 5252 8007. Maison des matelas. La fabricant depuis 1978. Tout à fait autre chose à présent, des rues longeant les champs de canne inondées dans le nord et dans l'est après les dernières averses, surtout après la saison de coupe, cela est principalement dû à la mécanisation pour redresser les terrains qui malheureusement obstruent les drains naturels. Miko, un habitant de la localité, parle d'une situation inacceptable. Depuis t'habites l'année dernière, t'habites pas les coupes canne dans sa terrain là, il peut redresser terrain là, il fait mécanisation, il met machine, il dresse. Ça coule là qu'il peut faire, il peut niveler sur terrain quand la machine qui faisait coupe canne, il y a un terrain là qu'on peut y aller, il peut comprendre. Mais ça fait faire drain le carreau canne. Ça a l'intervalle là pour un gros la pluie, il fait une diminution de l'intervention que de la paix de l'homme, il faut améliorer au lit qui a pas tant dans la moule là qui fait ça. Du côté de la Land Drainage Authority, son directeur Nevin Keda affirme que cette situation est provoquée par la mécanisation des champs de canne. On est très conscient qu'il y a quand même pas mal de problèmes d'inondation dans les régions, surtout où on a besoin de champs de canne. Avec la mécanisation des champs de canne, on a bouché ou dévié les drains naturels existants. L'eau ne suit plus justement les cours naturels, l'eau qui s'accumule justement dans les champs, éventuellement ruisselle vers les zones habitées ou des fois également dans vers les chemins qu'on vient de construire ou les chemins existants. Dans la région de Flac, il y a pas mal de sites. On va prendre des dispositions pour qu'il y ait des mesures appropriées. Probablement, ce seront les constructions des bassins de rétention parce que pour pouvoir capter l'eau ou même des drains de protection.
Parlons Rodrigue à présent, au lendemain de l'annonce de Serge Clerc de ne pas briguer les suffrages du 13 février. Le suspense reste entier sur le candidat pour le poste de chef commissaire. Qui de Francisco François ou Henri Agathe qui mènera les troupes de l'EPR à ce scrutin? L'EPR est divisé sur la question. Ils sont plusieurs au sein du parti à insister sur la candidature du député et parle même d'une démission imminente. À Maurice, le gouvernement ne souhaiterait toujours pas la démission du PPS Rodriguez. Détail avec Ashna Nekchedi. Francisco François est, semble-t-il, au milieu d'un tug of war. D'un côté, ses camarades de parti le poussent pour endosser le rôle de leader dans cette élection. De l'autre, le gouvernement central insiste pour que le PPS ne s'engage pas dans cette joute électorale, car il va devoir démissionner de l'Assemblée nationale et provoquer une partielle. Eh bien, selon les dernières informations, cette partielle ne pourra pas être évitée. Elle aura, selon toute vraisemblance, lieu 3 mois après le scrutin du 13 février. La présence de Francisco François est jugée indispensable à Rodrigue, où il a le soutien d'une importante frange de l'OPR de par son expérience, étant membre de l'organisation du peuple de Rodrigue depuis 35 ans. Il devra donc se retrouver sur la partie liste de l'OPR, éventuellement sera désigné chef commissaire si l'issue des urnes est favorable au parti de Serge Clerc. Sa démission comme député sera la prochaine étape et qui pourra intervenir dans les heures, voire les jours qui viennent. Mais rien n'est moins sûr, car cette option ne ferait pas plaisir au Premier ministre qui aurait fait part de son sentiment au leader historique Serge Clerc. La solution de rechange demeure le prometteur Henri Agathe, qui est également très soutenu. Les tractations sont loin d'être terminées à Rodrigue. La question de leadership après le départ de Serge Clerc est une pomme de discorde qui continue à diviser les rangs de l'OPR. Le Blue Penny Museum expose la mémoire de la communauté tamoule à Maurice, Tamil Heritage. C'est le thème de cet événement qui est organisé jusqu'au 29 janvier. Peintures, photos d'époque et instruments de musique y seront exposés, explique Palmesh Kotari, qui est à l'initiative de ce projet pour raconter l'empreinte de la communauté tamoule dans le pays. Parce que je suis tamoul moi-même, dans la culture, là. Donc il a beaucoup à faire en tant qu'artiste, évidemment, très sensible, avec ben couleurs. Et tout ça, ben, fait, par exemple, le kavadi, le mariage tamoul, le kavadi, le marche le feu, c'est changer de couleur. Alors ça intéresse moi. Les lamans commencent à travailler un petit peu l'obantem, comme le kavadi, le hadi, c'est-à-dire le changement de la corde des femmes tamouls. Pour renouveler les autres vœux chaque année. Et donc, ça m'a peinture là exposée maintenant au Blue Penny Museum. Et ce qui est intéressant aussi, donc, mon travail aussi, ben, dans son très intelligent, comme Kavinien Karupadayen, donc, lui, il connaît beaucoup plus la culture tamoule. Donc, il aide moi pour donner une explication. Donc, ça, peinture qui est exposée au Blue Penny Museum, elle a une histoire pour raconter. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée à vous. IFI Plus ou Nouveau Brossier Digital. Top de promo, belle seul et joli cadeau, Zispou. Depuis ou portable ou tablette ou soit ou ordinateur, nectap www.iflip.mu. En seule l'adresse www.iflip.mu. IFI Plus, lien service, le défi Media Group. IFI Plus, where tradition meets technology. Where tradition meets technology.